retrouve de bon matin dans la cuisine. Il est 7h49, je me suis levée à 7h30 et le matin je peux pas démarrer ma journée le temps que j'ai pas eu mon café. Donc vous l'avez vu, le matin je commence la journée par un petit macchiato caramel, prendre des forces et se donner du courage pour la journée. Et je peux pas démarrer ma journée si j'ai pas mangé. Donc je vous prends avec moi, là je vais vous montrer un petit peu mon petit déj du moment. Je me fais tout simplement un bowl cake avec un carré de chocolat à l'intérieur. Et généralement j'accompagne des fruits de saison, là j'ai des pêches donc je pense que je vais me faire ça. Donc c'est parti, je vous montre comment je fais. Et donc voilà le petit déj. Nina, non. Il y en a une qui aimerait bien le manger aussi. J'aime trop quand il commence à faire beau, là, les beaux jours, prendre le petit déj dehors, profiter un petit peu du beau ciel bleu. Qui dit coucou. On va le couper, hop. Et voilà, c'est hyper onctueux, hyper bon. Bref, je vais me régaler. Bon voilà, il est 11h30, j'ai fini de bosser là sur la matinée, donc on va préparer le repas ensemble de ce midi. J'avais envie de faire un sauté, des émincés de poulet avec des carottes, de la sauce soja et des spaghettis. C'est un truc que j'aime bien manger, c'est assez consistant le midi, comme ça me permet de tenir jusqu'au soir. Puisqu'aujourd'hui je vais faire une séance de sport, donc quand c'est comme ça le midi je me permets de manger des féculents pour dire d'être bien calée. Donc voilà, on va préparer ça ensemble. Je fais ça généralement au Cookéo. Depuis que je l'ai acheté, franchement c'est un investissement hyper rentable en termes de temps de préparation, c'est hyper simple d'utilisation. Quand on est pressé, qu'on n'a pas trop le temps de cuisiner, franchement moi ça me sauve la vie. On prépare en avance, on attend, ça maintient au chaud, enfin bref c'est l'idéal. Donc là je vais préparer ça avec vous. Donc c'est parti. On a besoin d'émincés de poulet. Voilà, donc moi généralement je prends ces émincés, hop. Voilà, je les ai eus chez Lidl, hein, classique. Donc les émincés de poulet, il me faut du beurre, de la moutarde. De la moutarde, j'en mets vraiment dans tous mes plats, je trouve que ça donne du goût, c'est hyper agréable. On a besoin de carottes, je prends 6 carottes, c'est suffisant.
là c'est bon, j'ai fait dorer ma viande, mes carottes avec ma sauce soja, mon sel, mon poivre, ma moutarde. Donc voilà, pendant 5 petites minutes. Et là j'ai mis en mode cuisson sous pression pour 20 minutes pour que les carottes soient bien fondantes, bien onctueuses. Donc c'est en train de préchauffer, ça va lancer donc les 20 minutes de cuisson. Pendant ce temps là je vais pouvoir faire cuire les spaghettis, donc ça je pense que vous savez le faire. Et, bah, et après ce sera prêt, on n'aura plus qu'à se régaler. C'est l'heure du crime. Je sais pas vous, mais avec l'arrivée des beaux jours, moi je suis une accro aux glaces. Donc bah il est 15h50, c'est presque l'heure du goûter, du coup je m'autorise un petit magnum et on mangera léger ce soir, mais j'en avais trop envie. Faut pas oublier que manger, ça doit rester avant tout un plaisir. Je vais manger ma petite glace en continuant de bosser. Bon, on se retrouve dans la même tenue que ce matin. Tout simplement parce que j'ai été prendre ma douche et tout. Et on va préparer le repas du soir. Nous ici, on mange un peu à l'heure des poules. Clairement à 19h15, on est à table. Comme ça, après, on a toute la soirée devant nous pour faire ce qu'on a à faire, profiter et pouvoir se détendre. Voilà, c'est un peu notre rythme, surtout que là il fait beau, donc on profite encore de manger dehors à cette heure-là. Donc là ce soir, généralement nous le soir on mange quand même assez léger. Après je vous dis pas, il y a des fois on se fait plaisir, hein, c'est le... Je veux pas prôner l'alimentation saine, loin de là, je vous montre juste voilà, une journée type dans notre assiette à moi et mon chéri. Là clairement ce soir, vu qu'il fait beau, je pense qu'on va se faire un petit plateau de crudité. Enfin je vais me faire un plateau de crudité parce que monsieur n'en mange pas. Donc je vais me faire à mon avis tomate, mozza, concombre, salade. Et je vais voir, enfin je vais me faire une petite salade composée, ça peut être sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous donne des petites idées pour faire vos repas tout au long de la journée. Bien sûr, voilà, je ne fais absolument pas de régime, je ne fais absolument pas, je ne suis pas végane, enfin voilà, je mange vraiment selon mes envies, selon mes humeurs aussi, et surtout je me fais plaisir tout en trouvant un petit équilibre. Donc voilà, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si vous voulez plus de contenu. C'est là-bas que je partage le plus et où on se retrouve du coup assez régulièrement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !